Là, je viens de récupérer ma crédentiale. Et là, j'ai rencontré des personnes sur le périple. Ouais, ça fait déjà pas mal de jours qu'on s'est rencontrés sur le périple. Et en fait, ils habitent à côté de Madrid. Et là, ils vont reprendre le train tout à l'heure à 14h, mais ils n'ont pas eu la chance de récupérer la crédentiale parce que le numéro 260, donc ils ne vont pas passer avant 14h, 15h. Et ils ont un train pour repartir à Madrid. Donc voilà, je voulais vous présenter Xiana. Xiana, tu as quelque chose à dire en... Enhorabuena y ha sido un placer conocerle. Un petit mot en français. Après là, je vous présente. Hola. Sí. Ha sido un placer conocerte. Muchas gracias por la ayuda que nos has prestado. Mais attention, attention parce qu'il y a des Espagnols qui regardent. J'ai rencontré des Espagnols et ils sont allés sur mon site et du coup ils suivent. No comprendo. J'ai rencontré des personnes qui étaient espagnoles. Voilà. Et donc ils suivent parce que je fais passer des vidéos depuis que je suis parti. Alors donc si tu dis des bêtises, il y a des espagnols qui écoutent. Et là c'est comment? Alberto. Hola. Nada. Enhorabuena porque lo hemos conseguido. Ya somos peregrinos. 100%. Hasta luego. Hasta siempre. Nos vemos en Champagne. Alors, c'est marrant parce que ils ont leur fille, donc la sœur de Xiana, qui joue en équipe nationale d'escrime d'Espagne. Et en même temps, elle joue au club de Châlons-en-Champagne. Donc elle est licenciée au club de Châlons-en-Champagne, elle a 22 ans. C'est marrant, hein, le monde est vraiment petit. Et voilà, il faut vraiment qu'elle aille visiter les caves de Champagne, ça vaut le coup. Comparer le Champagne par rapport au cava. Souvenez que j'ai goûté du cava. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va trinquer... Là, tu vois dedans, vous êtes dedans? Vous êtes dedans? Vous voyez là? Il est un champion. On dit santé. Lo que no hacemos ninguno lo hace él. Santé en français, mais en espagnol, on dit comment? Chin-chin. Chin, c'est ça? Chin-chin. Chin. Noel es un campeón. El mejor de todos. De los pocos que hacen el circuito entero, la ruta francesa. Ya no tengo más que decir. Pero tú puedes ir, hein, t'es libre. Hein. ¿Qué? Digo que tú eres un campeón, que poca gente hace el circuito entero del circuito francés, desde Francia hasta Santiago. ¿Comprendiste? Non. J'ai encore un peu de travail, vous comprenez bien, peut-être que vous comprenez, mais moi j'ai encore un peu de travail, il va falloir que je reste quelques jours de plus. Du coup, eux vont être obligés de rester encore un peu et ils vont peut-être récupérer leur crédentiale. Voilà. Non, mais je vais vous laisser là. Et puis, écoutez, à bientôt. Normalement, je reprends mon avion demain. À moins que je change d'avis, on verra. Adios. Adios. Au revoir. Voilà. Voilà, ça y est, ça vient.